Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man et nous en sommes à l'épisode 2. Un autre travail. Il est temps cette fois-ci d'aller reprendre mon travail de civil, hein, entre guillemets. Bah, faut bien ramener de l'argent les gars, être super-héros. Bah ça paye pas, hein, soyons honnêtes. C'est parti! Direction le boulot. Pas le temps de niaiser. Pardon, je suis en retard, je me... Wow. Vous avez déjà commencé? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtreur électrique! C'est pas vrai! On devrait peut-être arrêter! Pas encore! Tenez bon! Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. C'était une catastrophe. Pourquoi le filtreur n'a pas marché? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais... Je veux comprendre ce qui s'est passé. Ok. Donc, vous l'aurez tous reconnu, Docteur Octopus, avant, évidemment, sa transformation en grand méchant. Testez le bras, tiens, on va voir. Oh, t'es pas en grande forme, toi. Ok. Ça a l'air de plutôt bien marcher, finalement. Voyons d'où vient le problème. Très très bien. Octavius Industries. Quelle est cette sombrerie? Appuyez sur quoi pour continuer? Résultat du diagnostic. Allez, allons. Ah, oh, un mini-jeu. Oh, c'est pas vrai. Si j'avais été là pour faire les contrôles, je l'aurais remarqué. Très bien, établissez une liaison. Bah normalement ça devrait pas être... Quelle est cette sombrerie? Ah d'accord, ok, j'ai compris. Non, j'ai pas compris, j'ai totalement menti. Si je fais ça, bougez pas. Je comprends. Je comprends pas. Attendez. Ah d'accord, faut juste que je remplisse les cases vides. Très bien, voilà, aucun souci. C'est bon, on est les boss. D'accord, fallait juste que je comprenne qu'on avait un inventaire. Très bien. Voilà. Et c'est terminé, on a été les boss. Ça y est. Aucun souci. Très bien, composant réparé. Ah, c'est pas terminé. Voyons, on redirige les commandes du cerveau moteur. Très bien. Je pense avoir compris. Il y a des sens. Faut donner toujours un sens à sa vie. Voilà. Voilà. Quasi sûr que ça soit comme ça. Ah non! Ok. Très bien. Aucun souci. Non, ça colle pas. Ah, ok. Alors là, par contre, je vais être keblo, non?
Non, c'est bon. On a été les boss. Okay. GG. Ensuite... Encore ? Les gars, il y a combien et de bras on redistribue l'attention. Ah ouais, ça me paraissait évident. Bah oui, l'attention, fallait y penser, putain. Certains composants fournissent une charge positive ou négative. Ah oui, non, mais en plus, ok. Ok, très bien. Bon, qu'allons-nous mettre ? Ça. Ah, donc faut mettre deux. Ok, très bien. Faut mettre deux de tension pour que ça puisse passer ici. Et ici, un. Non, pas du tout, j'ai totalement menti. Ceci. Ah, d'accord. Mais le plus 2, ça sert à quoi ? Ah, plus 2 parce qu'il perd 1 ici. Et donc il reste à 1 là. Très bien. Oh, c'est mathématique, hein. Écoutez, les gars. Ok, c'est fait. Bon, bah, on va en avoir un encore plus chaud, je suppose. Hein, pardon ? Bah, les gars, j'ai été le boss en fait, non ? Attendez, il y a quelque chose de très sombre. Fini. D'accord, ok. Non, en fait, ça avait rien à voir, la charge négative. Je sais pas si la charge négative retire un. Hein. On verra plus tard. Bon, on a réussi, on a été les boss, quoi qu'il en soit. C'est pas bien grave. Installation terminée. Ça se trouve, le mini-jeu a été conçu juste pour cette Voyons phase si ça marche. De gameplay. Ok, c'est parti cette fois-ci. Comme neuf. Ah oui, ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Des gestes bien plus amples. Très bien. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. J'aime bien dans les jeux vidéo parce que le mec parle quand même tout seul en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et pour guider le joueur, forcément, il a besoin de parler. Il parle littéralement tout seul. Et ça, c'est incroyable. Il se dit pas qu'il a l'air débile pendant un moment. Alors que pourtant, c'est Spider-Man. Peter, merci encore pour ces essais à l'aveugle. Ils sont essentiels aux avancées scientifiques. Tu sais, en préparant le prochain essayage, j'ai eu une idée. Tu crois que c'est vraiment le meilleur moyen de remplacer un membre ? C'est idiot, je le sais bien. Mais je continue de me dire qu'il pourrait y avoir un autre moyen. Très bien. Il a déjà de bien sombres pensées. Substance inconnue trouvée. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. D'accord. Quelle est cette sombrerie ? Alors la première case c'est celle-ci, très bien. Ah, ok. Aucun souci. Oh bah c'est un vrai boulot les gars hein. Très bien. Forcément, il va y avoir des phases beaucoup plus chaudes, je pense, non même pas ? Non pas du tout, ok, aucun Composite souci. Composite hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Très bien. Qu'allons-nous faire encore une fois ? Je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. On va pouvoir sortir. Ok, super. Allez ! À nous ce monde. J'aimerais bien la carte du jeu. J'aimerais bien voir un peu l'ampleur, ou au moins la partie où on est, histoire de vraiment se rendre compte de la taille de la map qui me paraît très très grande, mais faut voir un petit peu ce que ça donne. C'est Insomniac Game derrière ce jeu, hein, vous l'aurez saisi au premier épisode parce que j'ai laissé toujours l'intro. Et Insomniac Game fait énormément de jeux un peu comme celui-ci, pas de super-héros mais beat'em all. Et donc ils ont quand même une maîtrise du jeu assez propre. Et là je pense que vous voyez... Spider-Man, c'est Yuri. Alors qu'est-ce qui est arrivé ça à Riker? Plutôt bien. Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah, il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content. Vous pourriez passer au commissariat? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri. Je refuse rien. J'arrive tout de suite. Allez, on est parti. Le commissariat. Et j'aimerais savoir... C'est quoi? Ah, voilà, c'est cette touche. Bon, j'ai très bien. On dirait que Jameson Attends. A sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. J'ai envie de monter déjà en haut d'une très grande tour. Ok, on a celle-ci qui est pas mal. Bienvenue dans l'état de fait avec J. Jonah Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer... Non, deux. De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin. Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom. C'est pas la peine de réclamer.
Bienvenue dans l'état de fait, avec J. Jonah Jameson, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne. Parlez. Aïe! Bon, alors malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons. Dites-moi, vous êtes quoi? Policier? Procureur? Ou comme moi, un journaliste chevronné récompensé par deux Pulitzer? Ah non, non, je suis plombier. Oh, super! Alors réparez mes toilettes et fermez-la! Je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue. Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué? Il s'en tape! Il est passé à la télé. C'est tout ce qui compte. Ouais, bah n'empêche que je peux me fournir en tuyau de cuivre sans verser de bakchiche. Alors en attendant votre guerre des gangs, moi je soutiens l'araignée. Et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois vos tuyaux. Ou vous casser les jambes. Bonjour chez vous. Oh. Un jour, Jonah, j'arriverai à te faire dire quelque chose de bien sur moi. Tu verras. C'est très sympa que pendant les phases de transition, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B, on ait justement des dialogues, un background de l'histoire, de voir un petit peu ce qui se passe en parallèle et d'en savoir un petit peu plus sur le fondement et la situation de New York et des personnages de Spider-Man. Donc franchement, très honnêtement, c'est très cool. Et résultat, le trajet, bah, il est passé tout seul. Ok, on est parti. Direction le commissariat. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un spider smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis! Si vous cassez, vous payez. Je croyais que vous me faisiez confiance. Ah, voilà pourquoi on n'a pas la carte du jeu. Jetons un coup d'œil à cette tour. Ok, il suffira de décrypter chaque tour de chaque partie de la ville. Très bien. Comment on peut faire? Attendez, ok. Ah oh, putain, c'était dans quel jeu que j'avais ce système aussi, là? D'augmenter les ondes. Ah, d'accord, ok. Très bien. En fait, il fallait tourner le stick. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous? J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait, j'ai des unités pas loin. C'est pas la peine, je m'en occupe. C'est pas mal, ça! Oh, les faux criminels. Vas-y. Couvre-moi. Ils sont cramés à 8,5 km à peu près. Hein. Ah, ils sont nombreux par contre. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Allez, ça c'est fait. Les ennemis manient des armes de mêlée, bloquent la plupart des attaques, mais sont vulnérables aux projections aériennes, toile et jet, évidemment. Donc là, on va faire une projection aérienne. Hop, ça dégage. D'accord, donc faut que j'arrive à localiser dès qu'ils ont une arme dans la main. C'est que c'est forcément plus compliqué. Hop, c'est terminé. Hein. Moi, la racaille, ça dégage. Quoi? C'est pas mal. Ok. Oh! J'ai pas pu faire mon outil. Oh non. Jeton de crime, x1. On gagne des jetons, très bien. Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance? J'ai justement un vieil inspecteur bougon au cœur d'or sous la main.
Quoi ? Non, 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 vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider ! Je vous en prie. Il est tellement gênant, ce con ! Eh, pas mal du tout les quêtes secondaires, hein. Le système, alors évidemment, on va pas en faire 35, c'est juste pour faire le tuto. On en fera de temps en temps pour gagner un ou deux niveaux, pourquoi pas. Attendez, hein, je sais plus ce que je fais. Là, je suis un Spider-Man totalement reboot. Yes, c'est bon, hier. Alors, c'est toi, la balance. Dégage, raclure. Ouais, c'est bien elle. J'ai dit dégage. Ce qui est bien, c'est que les criminels de la ville sont fringués pareil. C'est plutôt cool. Info Adidas du bled. Boucle-la un peu. Laissez-la tranquille. Ok. Les brutes bloqueront vos attaques de mêlée. Donc les brutes, c'est le mec qui est quand même bien plus balèze que les autres. Utilisez vos toiles et projectiles pour les affaiblir. Très bien. Hop, ça dégage. Bouge pas, là, ça, ça dégage. Hop. Putain, il est aussi chaud que Fisk. Mais heureusement que je suis une machine. Allez, ça dégage. Je suis le boss, hein. Je suis le boss. Oh putain, il m'a mis ma part. Ah, c'était ça. C'était ça que j'ai débloqué. Tu fais une esquive, donc j'ai pas été touché. Tu fais une esquive et... GG, c'est le boss. Ok. Pas mal. Hop, regardez-moi ça. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau, ça. Dégage d'ici. Ah. Bouge la butte. D'accord, sauver l'otage avec avant la fin pardon, du temps imparti, viser la cible avec L et appuyer sur R1 pour désarmer pardon, le malfrat. Hop, ça dégage. Et ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller ? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Je devrais pouvoir repérer la prochaine c'est tour pas de mal. Ça me plaît, ce petit humour. Au début, je me suis dit, ça va être un humour un peu lourdingue. Et finalement, bah, ça me plaît bien. Hop. Un direct cavale. Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination. La deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur ? Quoi ? Bien sûr que non. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter. Oh là là, je suis monstrueux. Oh mais j'étais le boss. Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que des crimes. Eh, pas mal du tout les gars. Pas mal du tout. Encore une nouvelle partie de ville débloquée. On va tous les faire très rapidement. Je pense que l'épisode 3 on va se consacrer au tour. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Bingo. Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. D'accord. Dont un juste là. Radio identifiant. Qu'est-ce que ça peut être? On va aller voir. Évidemment. Hop. Yo les gars. C'est par ici je crois. Qu'est-ce que c'est? Un sac? Oh, wow. Un mes vieux sac à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup. Ah ! Bah ouais, il achetait un sac à dos tous les jours, le frérot, là. Trouvez des sacs à dos pour gagner des jetons de sac à dos à utiliser pour améliorer votre équipement. Appuyez sur croix pour continuer. Ouais, t'as changé combien de fois de sac dans ta vie, frérot ? Ah ! Très bien, bon. Les deux tours ont débloqué... Ah oui, d'accord, les deux tours ont débloqué juste deux parties sur trois de la toute première zone de la ville. Donc, clairement, on va avoir un maximum de boulot. Il y a pas mal de sacs à récupérer en plus de cela. Très bien! Jetons sac, c'est fait. Toujours là? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Spider s'en charge.
mi-homme, mi-araignée, 100% flic. C'est pas mal. Ça me plaît, ça me plaît. Il faut que je vous le dise, ça me plaît. Ouvre le coffre. Allez. Eh, salut. Ah, Spider-Man, tue-le. Ok. Hop, lui dégage. Ok, j'ai été touché un petit peu, pas grave. Ça, ça dégage aussi. Attendez, je me bats là, les gars. Ah, vous quittez la mission. Attendez, les gars. C'est fait, non? Ah, il va retourner sur l'endroit de mission, c'est pas mal. C'est un vrai frérot, lui. Oh la vache. Ok. Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas... Ah, on peut prendre les portes de chaque voiture, très bien. Ça, ça dégage. Ça, hop, ça dégage. Et ben voilà, mission complete. Un jeton de crime. Mission terminée. Oh, oui. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Speeder va la réparer? J'y ai bien réfléchi, Yori. Être policier, hop, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Speeder, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Speeder prend sa retraite. Ah, Dieu merci, j'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Speeder, l'infatigable... Yori? Yori, vous êtes là? Ah... Elle a dû être submergée par l'émotion du moment. Allez, direction le haut de ce bâtiment, je ne sais pas ce qu'il y a. Ah, oh, une nouvelle tour. Bah, la dernière tour, je pense. La dernière tour, hop. Ah, ok, non, on peut décrypter en bas, très bien, tant mieux. Alors, faites-moi rêver. Là, ça me paraît pas mal. Et maintenant, grossir le signal. Allez, première zone seulement, entièrement visible. Peut-être un nouveau niveau, ça serait cool. Je pense qu'on a eu largement un nouveau niveau. Voilà, niveau supérieur. On est niveau 3, c'est plutôt cool. Oh non, j'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Ah, les outils dont j'ai besoin pour ma tenue sont au labo. Je me demande si le docteur Octavius... J'aimerais bien aussi savoir si on va retourner dans notre chambre et voir s'il n'y a pas potentiellement des mini-jeux. Ça serait plutôt cool. Il faut que j'aille où, là? Ah, attendez. Docteur, un comment sac. Ça s'est passé avec le comité? Je suis désolé d'avoir tout raté. Ce n'est rien, Peter. Ils sont seulement nerveux face à mon triomphe imminent. Ils se détendront, comme toujours. Vous voulez que je passe au labo pour ranger? Non, non. Je dois sortir dîner. Nous reprendrons demain. Une petite pause et retour à la création du futur. Ok. Il faudrait prélever l'optimisme de cet homme et le vendre en bouteille. Apparemment, il a quitté le labo. Je peux m'occuper de ma tenue tranquille. Ok. Il est où, ce con? Un témoin dit avoir assisté à une agression. Demande d'intervention des agents les plus proches. Besoin d'effectifs à Koreatown. Attendez, je pense que... Le signal augmente, j'ai l'impression, ici. Non. Très bien. Très très bien. Le signal est donc là-haut. Mais il est où, ce con? Merde! Ça, tu sens que c'est chiant. Ah! Putain, mais c'est moi qui suis con aussi, là! Je suis pas une lumière! Waouh! Ok. Et ben voilà. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je suis vraiment désolé. Ok, de la colle. Pendant le stage d'Harry. De la colle. C'est pas très intéressant en soi. On a un crime en bas, très bien. On a une mission et je dois aller au labo avant tout. Récupérer des petits trucs très sympas. Hop, j'ai foiré la ruelle, ça arrive. Appelez-moi Patrick. Les voleurs, il faut que j'intervienne.
Eh, vous auriez pu m'attendre. Hop, ça dégage. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, j'ai pris ma part. Hein. Voilà. Aïe, 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 c'est fini celui-ci. Voilà. Ils sont chauds de ouf, hein, en vrai, hein. Ok, c'est bon. Ok, projeter 3 ennemis en l'air. Bon, mission complete, on verra ça à la prochaine mission. Tout est bien qui finit bien. D'accord, en fait, dans les petites missions, il y a, comment dire, des objectifs bonus qui te permettent d'avoir beaucoup plus de trucs. C'est pas mal du tout. Je me demande aussi s'il fera la gestion du temps, c'est-à-dire jour, nuit, orage, s'il y a de l'orage aussi, mauvais temps et tout. Vu qu'il y a écrit 19 degrés soleil, je pense clairement qu'à mon avis, il y aura du mauvais temps de temps en temps. Je me demande si c'est totalement aléatoire ou si ça dépendra des missions. J'ai hâte de savoir ça. On verra. Seul l'avenir nous le dira et je pense que clairement, on va s'arrêter là. Je vais me poser devant notre objectif. Et puis, on verra l'avenir. Ok, allez au labo. Qu'est-ce qu'on a là-haut déjà? Ah, c'est des tours. On peut aller à la tour. On peut aller à la tour. Je sais pas si elle est vraiment loin, mais... Je pense que ça serait sympa de déverrouiller... Ouais, c'est bon, elle est pas loin, elle est pas loin. Elle est pas loin, le labo, il est juste à côté, aucun souci. On va faire cette tour, débloquer la carte et l'une des priorités. Et ben voilà, chose faite, pas mal. Allez, fais-moi arriver. Okay. Aucun problème. Aucun problème. Et Greenwich. Zone 1 sur 3. On va pouvoir aller regarder un petit peu la carte et voir où on est. C'est plutôt cool. Ah, je vais passer. Hein. Ça va. Hein. Les vues d'aigle, gros. On n'est pas dans Assassin's Creed. Allez, on trace. Ah, il y a un sac à récupérer aussi. Ça peut être pas mal. Ah, putain, il est juste à côté. Allez, on va le prendre. On va le prendre. Il est où? Il est juste en bas. Alors, on va pas faire, toutes les quêtes secondaires. On va essayer d'en faire pas mal quand même. Ça donne des points, c'est plutôt cool. Ok, je vois où il est. Ah. Ok. Yes. Aucun souci. Aucun souci. Lance-toile classique. Ça, c'est fait. Mon ancien lance-toile. On va aller devant la mission. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cette aventure vous plaît, j'espère que c'est dépaysant pour vous. Une petite aventure de super-héros, c'est la famille. Ça régale. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.